Dans ce cinquième tutoriel, on va finaliser notre formulaire de création de bière. On va notamment transformer notre champ arôme, qui était un champ unique, en un champ multiple, un champ répéteur en quelque sorte. Pour ce faire, on va utiliser le composant FieldArray que RedUxForm nous propose. Et au lieu de passer un champ en composant de notre fil d'arrêt, on va lui passer une méthode, une fonction. Cette méthode, cette fonction va boucler, va analyser cette valeur champ et pour chaque champ trouvé, va afficher d'une part un field, un champ de type text input et aussi un petit bouton cliquable pour supprimer le champ en question. Je peux donc créer une valeur ici dans ce champ-là et la supprimer. Et en dessous de ces champs qui seront affichés avec leur valeur, on a un bouton qui permet d'ajouter un nouvel arôme, donc d'ajouter une entrée dans le tableau qui va afficher un nouveau champ, une nouvelle ligne de champs et de boutons de suppression. Si je clique, on voit que ça s'ajoute. On peut donc ainsi avoir un champ multiple, nous permettant d'enregistrer plusieurs valeurs pour un seul champ.